activité, il y a aussi le vent de vélo, de la télégraphie, un appel de j'en ai manqué un parce qu'il y avait l'enterrement de la mère d'Akira. Ah mais il y en a beaucoup qui ont pratiquement tout fait, hein, tout chaque acte. Hein. Oui, c'est vrai. Au départ, c'était le prix de l'essence, je crois que chacun avait mis le feu. D'accord. Et voilà la deuxième face. Les deux premiers, vous voyez. C'est con, à la terreur électorale. J'habite en Boulogne. C'est un bon délai. C'est sur les ronds, quoi. Ça fait deux week-ends là-bas, et voilà. Oh,
C'est pour, au niveau de l'action non-violente COP 21, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait des actions actuellement pour dénoncer l'inaction politique qui est faite par le gouvernement de Macron. Et pour ça, nous avons décidé de sortir Macron. Sortir Macron comment ? En réquisitionnant les portraits d'Emmanuel Macron qui sont mis dans les mairies. Et la réponse du gouvernement face à cet acte, qui est plutôt symbolique qu'autre chose, c'est de mettre en procès les militants qui vont décrocher les tableaux d'Emmanuel Macron pour le sortir, pour lui montrer la réalité des choses. Vous, face à ça, nous avons donc plusieurs groupes de l'action non-violente COP 21 qui ont participé à ce décrochage, qui sont actuellement au tribunal, qui sont convoqués au tribunal, et notamment 6 inculpés de Bourg-en-Bresse. Et aujourd'hui, on tient à symboliser notre soutien à tous ces activistes qui sont allés décrocher les portraits d'Emmanuel Macron pour que le gouvernement puisse enfin voir la réalité des choses et que face à cette urgence climatique et à l'urgence sociale que Macron ne veut pas voir, il est important que tout le monde fasse à l'action, que ce soit par la symbolique, mais aussi dans les faits. Gilets jaunes qui a été condamné abusivement. Donc ça coûte de l'argent, ça coûte énormément de l'argent par les frais de justice, etc. Et les Gilets jaunes, eh ben justement, ils n'ont pas d'argent, c'est compliqué parce qu'en fin de compte, on est là par rapport à notre condition sociale qui est complètement difficile. Avec des salaires et sans salaire, on n'arrive pas à vivre correctement. Donc il y a un moment, voilà, ça suffit. Et la police sur Besançon, la justice sur Besançon a fait une répression terrible. Encore récemment, donc avec notre procès Castaner, pour savoir, donc il y avait 3 personnes, donc Kevin, Marie et moi. Donc en fin de compte, on a été condamnés pour Marie et moi, comme on n'avait pas de casier judiciaire, à 1 500 € d'amende avec sursis sur une mise à l'épreuve de 5 ans. 1 500 € d'amende chacun, mise à l'épreuve de 5 ans. Donc nous, on a fait appel. Kevin n'a pas fait appel. Donc, parce que lui, il avait un casier judiciaire il y a des années et des années, et donc il doit payer 1 000 € le plus rapidement possible. Donc s'il paye avant le 30, c'est 800 €. Voilà. Et donc, par rapport à ça, on demande aux Gilets jaunes, aux Alterbatiba, du coup, de solidaire avec les Gilets jaunes, etc. Et pour info, je voulais aussi prendre la parole par rapport à toute la solidarité qu'il y a eu par rapport à Jordan, qui est mon beau-fils, qui est sorti de prison mercredi. Il y a eu beaucoup de Gilets jaunes. Donc il a juste eu un aménagement de peine, mais il tient à remercier, et Marie tient à remercier aussi, moi aussi, tous les Gilets jaunes qui ont apporté le soutien. Tous les mots pour le soutenir, toutes les lettres qu'il a reçues, tous les commentaires sur Facebook, etc. Merci à tout le monde, ça fait chaud au cœur, ça permet de tenir, ça permet d'être toujours là. Faut pas oublier une chose, il y a encore Pascal qui est en prison, qui est gilet jaune, qui est actuellement à la butte et qui attend son procès. Et il y en a d'autres en France qui sont encore en prison. Donc pour ça, il faut absolument continuer notre combat, continuer à être toujours là dans la rue, que ce soit Alterba, Atiba, et que ce soit le Chilejo, que ce soit le Chilejo. Partout, tout le temps, partout, tout le temps.
chaud. Demain, c'est dimanche. Demain, c'est un jour important. Je tenais à vous dire quelque chose de très important. Je tiens à le répéter. Le Brexit, c'est super important. Et allez tous voter demain. Emmanuel.
cocotte, elle est toujours là. C'est Yasko, c'est mon bébé, je m'appelle Babas. C'est mon bébé, je vous aime tous. Merci, c'est gentil. Je sais pas si je suis trop près, je sais pas. Superbe drapeau rouge, la bouche du sang de C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte.
vous n'avez pas honte. Vous prenez des fonds, c'est ça, vous n'avez pas honte. C'est ça, de casser les gens, vous n'avez pas honte. On respecte le droit. On va faire ça, c'est un métier, ça. Un métier, si on vous paye des fonds, vous n'avez pas honte. Bravo, les gars. C'est les Français qui vous payent, messieurs. Ouais, ils ne le savent pas, peut-être. C'est vraiment de la merde. Il y a des personnes qui ont plus de 80 ans. Là, c'est pas tout marrant. Il y a des personnes de 80 ans. C'est la France et 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 la France et
Quand il y a une chose qui vaut la question qui vous proposez, vous mettez un endroit, vous ne bougez pas, vous n'êtes pas, vous verrez si ça va casser. Le bordel, si ça casse, c'est parce que vous êtes là. C'est vous qui êtes faites casser. Besançon, nous on casse ça. Ça casse pas. On casse pas. On casse pas, on se bat pas avec. J'avais eu des gars à Besançon, à part des poubelles crasses. À part à d'autres, oui, voilà. À part à des poubelles incendiées. Je fais la circulation, les personnes sont blessées, et j'arrive à me faire gazer. Parce que sinon ça fait gagner. Moi je vais voir où votre responsable. Allez, on y va. Tu tiens encore mais j'essaie. Il y a des lancettes avec vous. Il y a des lancettes. Attends, chacun d'entre vous, il y a des lancettes qui est posé sur une épaule. Alors faites en sorte que lui fasse honneur. C'est violent leur truc, hein, mine de rien. C'est violent, hein. Bah ouais, c'est le contribuable qui paye, ça peut être violent. Ah bah ça. Quand toi leur pote là, qui a lancé une grenade et puis que l'autre l'a pris dans l'œil, il n'y en a même pas un qui le défend. Ils sont tous... Même le Macron et compagnie, c'est exactement le même. Ils ne défendent pas ces gens-là. Il en a rien à foutre de ces gens-là. Oh, je sais. Mais malheureux, ils font leur boulot. Regardez-les parce que les gilets jaunes ne vont plus en voir de sitôt.